La sculpture, comme la peinture et le dessin, peut certainement représenter le mouvement par l'attitude. Il s'agit seulement de savoir si une telle représentation ne suppose pas le choix, ou même l'invention d'une certaine attitude, plutôt que l'imitation d'un instant du mouvement. Et c'est là une belle controverse, mais qui concerne principalement la théorie du dessin. D'abord parce que la représentation du mouvement convient mieux au dessin peut-être, et surtout parce que le problème est le même pour le sculpteur et le peintre que pour celui qui dessine. Il vaut donc mieux examiner ici si le mouvement convient aux sculptures. Or, il faut convenir d'abord que la matière et le temps s'opposent à ces mouvements décidés, ou si l'on veut développer qui ferait des statues trop fragiles. Et comme la sculpture est pour un long terme, elle est plus propre à exprimer le durable que l'instant. Toute statue, selon sa nature de statue, serait donc repliée et ramassée comme si elle se gardait contre le temps. L'erreur serait de croire que cette condition si naturelle diminue la puissance des œuvres sculptées, car le mouvement ne donne pas beaucoup à penser. Suivi sans retenue, il dévore l'expression en même temps que le sentiment. Il ne faudrait point croire que le langage ait pu jamais naître des actions hors de la cérémonie qui ramène l'action au geste. Et puisque toute conscience est liée à un mouvement retenu, le mieux pensant serait donc l'immobile. Que la sculpture vise là, ce n'est point faiblesse mais force, comme la force propre des arts en mouvement est de nous entraîner selon leurs lois. Ainsi la force propre des arts en repos est que leurs œuvres répondent à qui les interroge et s'arrêtent, l'immobile regardant l'immobile. Certes, ce n'est pas peu de chose que de représenter l'immobile, et puisque la sculpture par sa matière y est plus propre qu'aucun des arts qui plaisent principalement par la forme humaine, telle serait donc la fin propre du sculpteur. Il n'aurait donc pas plus à imiter des mouvements que le musicien ne cherche à imiter des bruits, ni l'écrivain à dessiner les choses par la forme des lettres. Ou bien, si le sculpteur représente d'aventure une nymphe, courant ou dansant, que ce soit par jeu, mais nous traitons des plus belles œuvres dans chaque genre. Disons donc que l'objet de la sculpture est de représenter plutôt le véritable immobile, et enfin, au lieu de donner au marbre l'apparence du mouvement humain, de ramener au contraire la forme humaine à l'immobilité du marbre. Mais cela ne va point tout seul, justement parce que la forme animale veut se mouvoir et refuse toujours d'être sculptée. Ainsi, toute agitation doit être dominée de façon que l'immobile se suffise à lui-même et se contente de lui-même. On ne devrait donc point sculpter l'enfance, si ce n'est dormant. Au reste, il n'est point difficile de sculpter l'action, si l'on veut seulement parler le langage de l'action, le plus clair de tous et le plus vide. Le plus grossier moulage vous représentera un homme qui court ou qui pioche, mais quand vous y mettrez toute la vérité possible, un homme vivant fera toujours mieux. Au lieu qu'un homme vivant ne saura pas se tenir en repos, à la manière d'une statue, et surtout s'il est regardé. C'est un mouvement naturel d'agir pour cacher sa pensée aux autres, disons pour se la cacher à soi-même. La société n'est donc que le royaume des ombres. Il fallait ces témoins de pierre naïvement inventés par le sculpteur, pour montrer l'homme à l'homme par silence et solitude. Remarquez qu'il y a bien de l'indifférence dans une statue. Un portrait peint peut avoir de la coquetterie et se défendre par le regard. Une statue ne voit personne. C'est un lieu commun de dire que les hommes se montrent dans leur action. Et je dirais plutôt qu'ils s'y cachent. L'action n'exprime qu'elle-même et au fond n'exprime qu'un changement de lieu. C'est pourquoi une sorte pièce est remplie d'action. Encore une action passe, mais une action immobile est-il rien de plus creux? Aussi y a-t-il toujours un air de démence dans ces hommes de plâtre qui frappent, qui courent ou qui menacent. En les considérant, on peut comprendre que la pensée se perd dans l'action comme l'eau dans le sable. Réellement, dans ces figures d'agités, tout est extérieur, tout se traduit et ce n'est rien. Je fus averti là-dessus un jour par le contraste entre des fous de plâtre et la figure toute simple d'un homme debout. C'était la statue d'un jeune poète. Le visage était régulier et plein et n'exprimait rien qu'on puisse dire. Si ce n'est, cette immobilité faisait voir une nature puissante et heureuse. Peut-être ne plaisait-il que par le contraste, mais il me semble qu'ainsi recueilli, et comme fermé sur lui-même, sans effort ni inquiétude, comme un homme qui est à sa place et qui existe selon sa nature, il se montrait mieux que les autres, et plus vrai. Aucun poète ni aucun homme n'est sans doute ainsi, si ce n'est de court instant. Mais c'est par là qu'il est roi, par cet accord, cet abandon, cette harmonie avec ce qui l'entoure. Toute sa puissance de vivre s'affirme là. Toutes les actions reviennent à cette forme et toutes les passions, comme un vêtement qui retombe et laisse voir l'homme. Voilà ce que le sculpteur cherche et ce qu'il attend.
et le peintre aussi, quoique par d'autres moyens. C'est pourquoi le sommeil est beau, mais la paix éveillée est bien plus belle. Or, ces éclairs de repos que l'œil saisit à peine, le sculpteur les fixe, et comme quelques mauvais plis, quelques défenses, quelques traînées d'orage, restent toujours attachés à l'œuvre. Je ne m'étonne pas que le temps l'achève, ni que l'on ait toujours adoré les statues. Des passions. Tout est changement dans les passions. Aussi, la force de l'expression est-elle toujours dans une suite de gestes. Encore faut-il remarquer que tout geste s'exaspère par lui-même, comme on voit dans la fureur ou dans le fou rire. Aussi, le langage naturel des passions est par lui-même ambigu, et les arts en mouvement, comme l'éloquence et la mimique théâtrale, doivent le modérer et composer. Mais la sculpture, la peinture et l'art du dessin sont condamnés à un seul geste, à un seul mouvement du visage. Donc, une suite de mouvements s'y trouve rassemblée. Encore la peinture et le dessin peuvent-ils beaucoup par la disposition du spectateur, qui nécessairement interprète les lignes, les ombres et les couleurs. Mais la sculpture semble dépouillée de toute rhétorique. Elle offre la forme vraie et immobile, la forme seule sans aucun mensonge. Aussi les plus habiles, parmi ceux qui n'ont point suivi les sévères traditions de cet art, savent-ils bien dessiner et même peindre avec des reliefs ce que l'on reconnaît à ceci. Un bon dessin, d'après leur statut, est souvent plus éloquent que leur statue elle-même. L'art du sculpteur serait alors de dessiner des ombres sans crayon. C'est vouloir peindre par des sons ou danser en prose. Le bas-relief et les médailles font bien voir que le vrai chemin du sculpteur n'est pas par là, car ces arts tendent bien à l'abstraction du dessin par l'aplatissement des reliefs. Mais en même temps, il fuit l'ombre et la ligne, offrant ainsi une sculpture purifiée et comme nettoyée de toute passion. Comme une maxime est modèle de prose, ainsi une médaille est modèle de sculpture. Mais ce n'est que le plâtre et le marbre neuf, et peut-être aussi l'abus du dessin d'imitation, qui nous conduisent à voir des ombres et des lumières dans les statues. Le bronze s'y oppose heureusement par sa couleur, et le vieux marbre comme le bronze par ses marques de temps qui brisent les jeux d'ombre et de lumière, et qui ne nuisent pas du tout aux belles œuvres. Mais la grande sculpture se délivre des préjugés même sans ce secours. Quand on aurait copié 100 fois au fusain la célèbre femme de Milo, assez mal nommée Vénus, si l'on se trouve devant le marbre, on ne verra plus les ombres. En effet, une lumière diffuse convient aux statues. Laissons donc aux sophistes de sculpture ces orbites creuses où l'imagination trouve ce qu'elle veut. Dire que la sculpture est mal pourvue pour exprimer l'amour, la colère, la menace, l'envie, c'est trop peu dire. Elle vise plus loin, elle affirme la forme humaine que les passions nous cachent. Fille d'architecture, maîtresse à son tour, la beauté est toujours impassible. Le lait dans un visage humain, c'est la trace des mouvements passagers, usurpatrice. Rien ne déplaît plus que ces visages expressifs qui n'expriment rien, comme on voit dans un ivrogne ou un idiot. Mais heureusement, en presque tous et malgré tous les artifices de la coquetterie ou de la timidité, il y a des instants de sécurité et d'équilibre où la forme se retrouve. La médiocrité écrit, mais la pensée efface. Ainsi, la sculpture nous fait plus beau que nature, et vrai pourtant, car il y a de la grandeur en tout homme, mais d'un moment. Une idée ne se tient pas seule, il faut l'affirmer. Les exceptions abondent. On pourrait voir copié en marbre un beau portrait, et même y réussir. Qui ne voit pourtant que le portrait y perdrait quelque chose de ce qui lui est propre, et qui n'est point non plus la passion, certes, mais plutôt ce genre de bonheur qui tient au souvenir, aux passions des autres tout au moins, et au plaisir proprement dit peut-être. Le sentiment serait donc l'objet propre de la peinture, au lieu que toute statue dominant ces choses penserait, j'entends qu'elle penserait sa propre forme, et maintiendrait sa nature en effaçant l'événement. La statue n'aurait point de souvenir, elle serait perception et mesure, observatrice comme fut Thalès ou bien Socrate dans le silence du Phédon. Impartial, juge de tout, essentiellement juge comme cet Archimède d'un moment que le soldat voulut tuer. Ce qui n'exclut point le sentiment, ni même l'action, car les mots séparent trop, mais l'ordre y domine. En un sens même, on peut dire que toute émotion flotte autour, et toute action, quand le corps est ainsi en force et équilibre, par juste gouvernement. La statue exprime ainsi la pensée mieux que nous ne saurions dire, plus intimement et directement. La peinture, de même, exprimerait mieux que toute poésie, en tout cas autrement, un autre genre de pensée plus fermé, mieux défini, historienne surtout et civilisée, étrangère aux choses, ouverte aux hommes. Comparez les grandes statues aux grands portraits, vous verrez qu'ils ne sont pas du tout du même âge humain, ou
ou si vous voulez, de la même caste. Le portrait peint est plus ambitieux, plus politique. Enfin, le portrait peint perçoit le monde des hommes. C'est d'un échange de signes humains qu'il reçoit sa ressemblance. La statue est seule. Même dans une société de statues, chacune est seule. Il y a donc du sauvage et du rustique dans la statue. Une observation des choses comme choses et des hommes comme choses, un mépris des récompenses, une satisfaction nue. En ce sens, on pourrait dire que la peinture exprime plutôt le sentiment et toutes ses nuances, comme la statuaire exprime plutôt la pensée et ses traits rudes. Quant au dessin, toujours capable d'exprimer l'un et l'autre, il conviendrait mieux peut-être à l'action et au mouvement, je dis sans pensée aucune, comme on voit assez clairement dans ces études des peintres et des sculpteurs, qui donnent l'idée d'une agitation encore, et comme d'une recherche double, le modèle courant et le peintre aussi, que la peinture et la sculpture rassemblent enfin ces foules en une figure, mais sous deux idées, c'est ce qui apparaît clairement de toutes les belles statues et de toutes les belles peintures, le regard humain éclairant toutes les peintures, au lieu que la statue aveugle regarde de tout son corps, si l'on peut dire, et toute chose en elle, mais dans leur juste mesure et vérité. Ainsi, le sculpteur est penseur par-dessus tout, et le sculpté aussi. De la sculpture comme langage. La sculpture, de même que la peinture et le dessin, peut représenter un événement ou représenter un homme. Toutefois, elle est moins propre que la peinture à fixer les scènes de l'histoire, car, ainsi que l'on a précédemment remarqué, on ne conçoit point des foules en sculpture. Et quoi qu'on fasse, chacun des acteurs sera seul, comme si le marbre le séparait de l'action et de la vie commune. Une statue est un solitaire, et la sculpture, il me semble, se défend assez bien là-dessus. Mais la règle est certainement moins stricte dans le bas-relief. Il est remarquable qu'un degré d'abstraction de plus permette aussitôt plus d'action, et le bas-relief semble étendre son domaine à peu près aussi loin que le dessin. Toutefois, il supporte moins l'instantané. Son objet principal est alors le mouvement périodique ou de cérémonie, enfin déjà réglé, comme dans les danses et les cortèges. Et peut-être, pour tout dire, le bas-relief représente-t-il mieux l'institution que l'événement. Partout où le marbre parle, la forme domine à l'incident. La règle serait donc que les personnages n'expriment que la forme de la cérémonie. Ils n'en disent pas plus. C'est par ce détour que des enfants, des jeunes filles ou des jeunes garçons trouveraient aussi leur forme, malgré l'instabilité et les improvisations dépourvues de sens qui sont propres à ces âges. Car une jeune fille dansant est mieux elle-même que parlant ou souriant, et le sculpteur craint les signes qui ne sont signes de rien. On saisit ici pourquoi le bas-relief, plus sévère et plus abstrait que la sculpture, convient mieux aussi pour représenter le mouvement. Servitude délivre, et à défaut du rythme, le marbre retient. Seulement, il y a peu de vrais sculpteurs, parce que cette sagesse du marbre n'avertit point, mais punit. On suivra ces hardiesses de la sculpture depuis les frises du Parthénon jusqu'à la danse de Carpo, qui certainement sort trop. C'est assez dire que la sculpture ne peut aborder l'anecdote. On ne conçoit pas le fils puni de Gueuse, de Greuze, traduit en plein relief. Et ce qui est une règle pour le sculpteur pourrait être aussi un avertissement pour le peintre. Toujours est-il que dans les scènes de ce genre, la forme ne peut s'affirmer assez. Le sculpteur, moins libre que le peintre, ne peut même pas choisir. Il est toujours amené à exprimer par la forme seulement. Par exemple, le Cicéron antique ne parle pas. Et telle est sans doute la raison cachée qui fait préférer si souvent le buste. Car on ne supporterait pas un buste la bouche ouverte et criant. Mais observez tant d'orateurs de marbre ou de bronze que d'imprudents sculpteurs ont voulu présenter en action. Ce n'est plus un homme, alors c'est un événement. Enfin, c'est par la pensée que l'orateur est orateur, et par la pensée que le guerrier est guerrier, et que le bon Hercule est Hercule. Il ne faut donc point dire que la sculpture est bien empêchée par la nécessité de représenter l'immobile. Tout au contraire, elle est conduite par là, au principal. Elle ne peut le manquer, si seulement elle le cherche. Hercule n'est Hercule qu'autant qu'il se possède, et Cicéron n'est Cicéron qu'autant qu'il le se mesure. Le sculpteur en vérité saisit l'homme et l'enveloppe, et l'enchaîne, rabattant les gestes, apaisant tout ce bruit, car son objet c'est la puissance plutôt que l'action. Un homme fort ou heureux peut tuer l'hydre, mais Hercule pensait qu'il irait et qu'il tuerait l'hydre. David de même pour Goliath. Si la forme d'Hercule n'exprime pas cette forme assurée, et si la forme de David n'exprime pas la force ingénieuse et l'attention au moyen, quel geste ou quelle action l'exprimera?
Et si ce n'est point la pensée qui a tué Goliath, il faut donc dire que c'est la pierre, par masse et vitesse. On voit d'après cela quel genre de discours peut tenir la sculpture, et quel nom. Discours avec soi, discours sans parole, toujours affermissement sur soi, jugement sur soi. Le sculpteur exprime donc l'événement humain dans son centre, à l'instant où l'homme ne prend plus conseil de lui. Sourd, muet, aveugle, grand. Il y a ce moment dans toute action, et il n'y a d'action que par ce moment. Tant que l'homme ne fait que répondre aux actions extérieures, ce n'est qu'une danse d'atomes. Seulement, ce qui est propre à la sculpture, c'est d'exprimer ces choses par la forme du corps seulement, posant ainsi l'arbitre humain, chose parmi les choses, ce qu'aucune expression parlée ou écrite ne peut assez rendre. Aussi, les paroles les plus courtes sont ici les plus convenables. Moïse, Hercule, David, cela suffit. Et quand cela manquerait, le spectateur de la chose serait sans doute moins disposé à parler avec lui-même en regardant, mais il n'y perdrait rien, car le puissant langage du corps n'a point suivi la parole. Il ne s'est point dispersé, il n'a point bavardé. Il est affirmatif et non dialectique. Il pose et résout par puissance et par présence pour la confusion des bavards, ce que dit très bien le Sphinx, il me semble, de l'allégorie. L'allégorie est parente de la théologie païenne. L'agriculture n'est que la déesse des moissons. Les heures et les saisons ont toujours des formes humaines, et la liberté éclairant le monde ressemble assez à la Minerve des anciens. Cette idée, si naïve d'apparence, a duré, je crois, sans s'affaiblir. Elle n'allait pas chez les anciens au-delà des statues. Elle serait donc aujourd'hui la même, et ce n'est pas peu dire. On a déjà expliqué que les statues sont des dieux, et pourquoi ? Des dieux pensifs encore, par la force du marbre et malgré les folles légendes, car la sculpture a sa manière propre de se faire entendre, non point à la façon de l'épique et du tragique, mais d'homme à homme, et par la présence seulement. Ainsi l'agitation sans forme de l'Olympe devrait s'arrêter dans ses fortes abstractions ou contes, voyez avec raison le premier essai de la science universelle. Car Neptune pense les flots et Jupiter le ciel et les étoiles, et Vénus elle-même pense la loi des passions. Hercule pense le devoir des forts et Mercure la double ruse des marchés, propre par la liberté. La statue n'est qu'un centre de pensée qui éteint les images. Les relations abstraites flottent autour et s'y appuient. La pensée hésitante y trouve son modèle. Une image ferme contre les passions. Il n'en faut pas plus pour que même un enfant s'arrête, imite le maître de pierre et médite un peu. L'allégorie, qui soutient les relations par les figures, est sans doute un fait de sculpture. Il ne faudrait donc point penser que l'allégorie soit prise de la littérature et imposée au statut comme un langage étranger. Le signe abstrait ne peut porter l'idée à sa naissance. Parmi les signes les plus forts, je ne vois que la statue pensante, qui est éminemment la vertu de rassembler nos pensées sans les jeter à l'action. L'invitation à penser est si forte et en même temps l'homme de marbre retient si impérieusement toute l'attention qu'il faut que toutes les pensées errantes reviennent là et s'ordonnent sous ce ferme gouvernement. Aucun signe n'est plus propre à rassembler les différences. C'est donc dans la pensée objet que se forma l'idée. Car avant d'être vraie ou fausse, il faut qu'elle soit idée d'abord. La sculpture est naturellement allégorique, comme la peinture est naturellement symbolique. Ainsi qu'il apparaîtra bientôt, le symbole étant au sentiment ce que l'allégorie est à la pensée. Ce sont deux abstractions dont l'une éclaire le monde solide et l'autre le monde fluide en nous-mêmes. Et il faut bien remarquer que les fétichistes qui mêlent tout n'ont aussi ni sculpture ni peinture assurée. Aussi la relation n'a pas élevé leur langage, les passions s'y jouent seules. Les dieux sont sans forme, innombrables, indivisibles, invisibles. Les cris ne font qu'un pauvre langage qui touche et n'instruit point. L'écriture seule a discipliné les sons. Et la première écriture fut sculpture et dessin. Le style écrit dépend donc de la sculpture, comme le mot forme, dans son sens si riche, l'indique bien. Et il n'est pas inutile d'ajouter que dans le langage d'Aristote, que la sagesse catholique a parlé si longtemps, la définition est dite forme encore et forme substantielle. Les puérilités écartées, ces alliances de mots sont pleines. Il faut penser à la mobilité de l'imagination, à sa puissance, à ses instables créations. Le jugement s'appuie toujours au langage et s'est formé par le plus ancien langage. Mais comme tout homme doit tout apprendre, quoique plus vite, il arrive que le langage écrit est trop faible pour porter les premiers arrêts du jugement. Aussi, beaucoup d'esprits passent vite et se jouent dans les relations, sans autre secours que l'expérience nue.
Or, ce genre de culture porte bien une science et une industrie, mais non pas un homme. Science forte et esprit faible, fétichisme dans le fond. L'Olympe de marbre mérite encore le culte. Peut-être faudra-t-il dire que la peinture a formé à son tour une seconde sagesse, mais où le sentiment brise la forme, si l'on y prend garde. Et peut-être y a-t-il bien de la profondeur dans le mot de Michel-Ange, devenu peintre par force. Ce n'est point là mon métier. Goethe, par le même instinct sûr, se réglait sur les monuments et sur les statues. Fou à proprement parler, celui qui voudrait que les statues se meuvent et parlent, jusqu'à ressembler aux hommes. Il n'est pas donné souvent à un homme, surtout jeune, de méditer avec suite en considérant une charrue ou une roue, sans se laisser détourner de la chose, et d'y voir enfin les relations de mécanique, ou bien de chimie, ou bien de justice, car l'imagination, soutenue par mille mouvements du corps, nous entraîne d'objet en objet, de mot en mot, ce qui fait un étourdissant mélange. Aussi ne faut-il pas compter qu'un homme à la charrue nous fera beaucoup penser, même s'il est de marbre. Non, mais plutôt une belle statue qui éveille d'abord notre attention par quelques attributs semblables au caractère de l'ancien langage, et qui en même temps nous dispose par son exemple à retenir nos mouvements, surtout qui, par sa puissance d'objet, ramène l'attention et la discipline, enfin invite impérieusement à juger sans parole. Cette disposition est si rare, la timidité et le besoin de parler, ils sont si contraires qu'il ne faut point dire que ces moments humains soient un peu de prix. Courte prière, offrande à la statue de quelques faibles idées qu'elle efface aussitôt, mais ce refus et ce silence du Dieu sont pleins de sens aussi, car la peinture répond à celui qui prie, mais la sculpture, non, elle me laisse seul, sans secours, sans grâce, sans peur aussi, Thalès.